Bon bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Et aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange. Avant de commencer, petit rappel, le pouvoir des archanges. Les archanges sont des anges supérieurs placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole, n'est-ce pas, de leur caractère divin. Leur nombre, eh bien, il varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux sont les textes religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, eh bien, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra. Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment. Mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque, eh bien, ils veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, eh bien, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés. Quel chemin emprunter et quel but poursuivre. Les 12 archanges et le signe auquel ils appartiennent. Le signe de la Vierge, eh bien, c'est notre bel archange Métatron, celui qui occupe le trône à côté de celui de Dieu. Alors vous savez, si vous ne le savez, oui, peut-être que si vous ne le savez pas, Métatron a été un être humain avec son frère jumeau, Sandalmon. Et dans la tradition chrétienne, il existe une hiérarchie chez les anges, en commençant par ceux qui se trouvent au plus près de Dieu, jusqu'aux plus éloignés parmi lesquels on retrouve les chérubins, les séraphins ou les archanges, Métatron qui se situe parmi ces derniers. Et dans la hiérarchie de l'angéologie, les archanges sont au-dessus des anges et au-dessus des principautés. Métatron est un archange et il est responsable des séraphins qui, selon les différents courants bibliques, se trouvent près du trône de Dieu. Il est l'ange suprême de la mort et du pardon. Il donne la bienvenue aux âmes des enfants décédés avant leur naissance ou prématurément après celle-ci, et leur enseigne des choses pour leur prochaine vie. Ce bel archange Métatron est associé au signe de la Vierge. Métatron accompagne les êtres sur la voie de la guérison. Il les aide à se remplir d'énergie positive et à se débarrasser des énergies négatives. Il peut également être une sorte de guide pour tous ceux qui souhaitent s'ouvrir à la vie spirituelle sans vraiment savoir comment s'y prendre. Métatron vous aidera à comprendre les mystères de l'univers et à trouver le chemin de la spiritualité.
Comment demander de l'aide à l'archange Métatron à travers son rôle de médiateur céleste précédemment expliqué? L'archange Métatron peut nous aider à trouver l'équilibre dans certains aspects de notre vie, que ce soit dans le milieu professionnel, dans les relations, les croyances et même pour contrôler les aspects négatifs de nos existences. Alors il est intéressant de s'en remettre à lui pour vaincre certaines addictions ou si l'on veut laisser derrière soi certaines mauvaises habitudes, par exemple manger excessivement, fumer, boire, être sous l'emprise de médicaments, sous la drogue. Ou alors aussi manger trop peu. Car il faut savoir que Métatron fait tout son possible pour maintenir le bien-être de la race humaine. Et pour entrer en contact avec ce bel archange, il n'existe pas d'oration particulière que nous puissions utiliser, à la différence des autres anges et archanges. Si tu as besoin de le contacter, c'est très simple. Fais-lui savoir pourquoi. Pourquoi tu as besoin de son aide, de manière orale ou par la pensée. Permets à ton âme de s'exprimer et d'arriver à communiquer avec cet être supérieur. Ce sera facile car en tant que scribe de Dieu, eh bien, ce bel archange Métatron saura déjà tout de ta vie. Et il aura déjà probablement une idée du type d'aide dont tu as besoin. Il est particulièrement attentif aux pensées des êtres humains. Métatron saura comment influencer une personne pour qu'une pensée négative se transforme en une idée positive, car il a l'expérience des actions humaines et il sait très bien qu'une pensée négative conduit à d'autres pensées du même genre, ainsi qu'aux mauvaises décisions. Alors, qu'est-ce que le cube de Métatron? Eh bien, pour prendre contact avec Métatron, en plus, n'est-ce pas, de la communication orale et de la pensée, on peut aussi le faire à travers le cube de Métatron, qui est une figure géométrique sacrée. On dit que le cube de Métatron fut transmis à l'homme par l'archange lui-même, lors de l'enseignement ou de la canalisation, et d'une certaine manière, c'est sa signature. Le cube de Métatron est une figure géométrique sacrée, composée de deux hexagrammes construits par un ensemble de 13 cercles. Il possède un taux vibratoire très élevé, et il est catalogué par beaucoup comme la protection la plus puissante contre toutes les énergies ou être négatif. Alors, tu peux l'utiliser, le visualiser dans ton environnement, demander qu'il s'intègre à ton aura ou afficher une image qui le représente dans ton foyer, n'est-ce pas? Lorsque nous nous trouvons avec un cube de Métatron devant nous, eh bien, nous pouvons nous imprégner de son pouvoir et de sa protection en sollicitant la protection de l'archange. Quels sont les pouvoirs de ce bel archange Métatron? Il ne faut pas penser que Métatron est un archange inaccessible, n'est-ce pas, à cause de sa haute responsabilité et de son importance parmi les anges. Au contraire, c'est un des archanges les plus compréhensifs dû à son séjour sur Terre. Il en a tiré des leçons qui nous seront profitables à tous et qui vont lui permettre de nous enseigner certaines de ses vocations. Alors ce bel archange Métatron
qui fut un être humain, et l'archange de la paix. Qu'est-ce qu'on en a encore besoin de cette paix actuellement? Vous pourrez donc faire appel à lui lors d'urgences ou de passages compliqués au cours de votre existence. Il sera là. Il sera là pour vous accompagner dans les périodes difficiles de votre vie ou les périodes de changement pour vous aider à encaisser les aléas de la vie. Évidemment, c'est un guide pour ceux qui s'engagent sur un chemin de spiritualité, n'est-ce pas? Il les aide à trouver des réponses et à rencontrer cette vie spirituelle désirée. Il est à même à comprendre la nature humaine, ayant été lui-même humain. Il sait que les pensées négatives induisent parfois de mauvaises décisions. Il tente donc de placer chacun sur un meilleur chemin afin que tout s'épanouisse. Il est là. Il est là pour intercéder sur des vies karmiques et pour vous aider à consulter les archives akashiques de votre vie. La pierre qui lui est associée est la tourmaline melon d'eau. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire. Et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Merci avec toute ma gratitude. Faites une prière pour le remercier. Je vous remercie de votre écoute. Je suis émue par cet archange. Voilà, je vous remercie de votre écoute. On se retrouve dans une prochaine capsule et d'ici là, je vous embrasse tout fort et portez-vous bien. À tout bientôt.